Bonjour et bienvenue Coup de grâce. Aujourd'hui, en partenariat avec Pomme et mes petits poulets dorés, on vous prépare des tacos de crevettes sautées avec des épices à noircir. Vous allez voir, c'est incroyable. Aujourd'hui, j'utilise des tortillas format original parce que c'est la grosseur parfaite pour faire des tacos de feu. Les garçons, on commence-tu? Tchin, mon gars! Oh non, t'es-tu correct? Je vais t'en placer. Donc, on va commencer par préparer les crevettes. Ici, j'ai 680 g de crevettes toutes nues, crues. Donc, pas de queue, pas d'écailles, rien. Éloi, pourrais-tu mettre de la poudre d'ail? Vas-y. William, pourrais-tu mettre de la cassonade quand t'auras fini de la manger? Éloi, pourrais-tu mettre de la poudre d'oignon maintenant? Environ une demi-cuillère à thé de chaque. William, pourrais-tu mettre l'origan séché, s'il te plaît? Le cumin? Merci. Le paprika ou le sel? Paprika fumé? Ça, c'est du thym séché. Super. Maintenant, William, le sel. Ici, tu as du basilic séché. On verse ça dedans. Ça sent bon, hein? Et maintenant, je mélange. Maintenant, on va lancer ça dans une poêle à feu élevé avec un filet d'huile d'olive. On veut cuire ça à température élevée pendant 3 à 4 minutes jusqu'à ce qu'elle soit dorée. Maintenant, on va préparer la petite sauce pour accompagner ces tacos de feu. Une demi-tasse de yogourt grec nature. Enfin, deux grosses gousses d'ail hachées finement. Super! Bon, lèche le bol. Ici, j'ai deux cuillères à thé de miel et il y a le jus d'une lime. On sale et on poivre et on mélange. Oh, ça a l'air bon! Éloi, il se snack le petit yogourt à côté. Goûte à ça. Bois une petite gorgée de ça, tu vois, c'est super bon. Ouais. Et du jus de lime. Maintenant, c'est le temps de monter nos tacos. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un peu de sauce dedans. Hey, tu veux pas mettre de sauce dedans? All right. Tu veux la sauce un peu? Vas-y, un peu de sauce. Maintenant, toi, ce que tu peux faire, c'est que tu peux te mettre des crevettes. J'ai du fromage feta, de la coriandre, des avocats. Le but, c'est de le garnir à son goût. William, il continue dans sa lancée. William, c'est un Picasso du tacos. Maintenant, je vais mettre quelques crevettes dans le fond du mien. Je mets du feta émietté. Du basilic. C'est pas du basilic, c'est de la coriandre, mon amour. Un peu d'oignon rouge. Oh oui! Hé, hey, Éloi, c'est pas... Éloi, tu fais un rouleau printanier! Éloi, hein? Faut t'en mettre juste un peu de coriandre, OK? OK. Oui, tiens mon fils, les crevettes. Maintenant, je vais mettre de l'avocat. Oh, ça va être bon tout ça. Arrête de m'appeler mon père, appelle-moi papa. C'est quoi ta faille là, mon père? Allez les garçons, maintenant c'est l'heure de goûter notre moment préféré. Hum! Oh! Mon Dieu, pour vrai, c'est incroyable! Les crevettes sautées, la coriandre, la sauce, tout est délicieux. On dirait que j'ai croqué dans un paradis. Wow! Merci à Pomme pour vos produits de feu. Honnêtement, c'est comme ça qu'on fait des tacos aux crevettes. Essayez-le, vous allez adorer. Pour plus de recettes incroyables et décadentes, je vous invite à visiter mon site web legoutdegrâce.ca et surtout, n'oubliez pas, si j'étais vous, je détacherais ma chaîne sur tout de suite. Chaîne, mon gars!